السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مو فرونسي وفي حصة جديدة من سلسلة الجمل المستعملة في الحياة اليومية بالفرنسية. إذا كانت آخر جملة في الحصة الماضية والتي طلبت منكم أن تكتبوا معناها في التعليقات هي Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? إذن العديد منكم يبدو أنه لم يفهم معنى الجملة الصحيح. هناك فقط بعض المتابعين 3 أو 4 فقط من أعطوا المعنى الحقيقي أو الصحيح للجملة وهو ماذا بك؟ ماذا بك؟ أو ما خطبك؟ Qu'est-ce qui te prend? ماذا بك؟ أو ما خطبك؟ Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? يمكننا أيضا إذا كنا نخاطب مجموعة من الأشخاص أن نقول لهم Qu'est-ce qui vous prend? 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 ماذا بكم أو ما خطبكم؟ Qu'est-ce qui vous prend؟ أما إذا أردنا أن نقول ماذا به أو ما خطبه، يعني نتكلم عن ضمير، سنقول Qu'est-ce qui lui prend؟ Qu'est-ce qui lui prend؟ Qu'est-ce qui lui prend؟ Qu'est-ce qui lui prend؟ ماذا به أو ما خطبه؟ Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend? وإذا أردنا أن نقول أيضا ماذا بهم أو ما خطبهم هم نقول Qu'est-ce qui leur prend? 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 البعض منكم قد أجاب وأعطى المعنى من تحسب نفسك. لكن هذا معنى آخر لعبارة أخرى وهي Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? بمعنى من تحسب نفسك أو من تظن نفسك. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? إذا كنا نكلم مجموعة من الأشخاص نقول Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? أو Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous? من تحسبون أنفسكم. Pour qui vous prenez-vous? أما إذا أردنا أن نقول من يحسب نفسه هو نتكلم عن شخص غائب نقول Pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Ou Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? من يظن نفسه أو من يحسب نفسه. الآن إذا أردنا أن نقول من يحسبون أنفسهم هم سنقول Ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? Pour qui ils se prennent? Ou Ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? من يحسبون أنفسهم. Ils se prennent pour qui? ماذا تحسبني أو من تظنني؟ Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? يعني ماذا تحسبني أو من تظنني؟ Tu me prends pour qui?
Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Par exemple, on peut dire Est-ce que tu me prends pour un idiot? Est-ce que tu me prends pour un idiot? هل تظنني مغفل؟ Ou Tu me prends pour un idiot? Tu me prends pour un idiot? Un autre exemple. Est-ce que tu te prends pour un expert? Ou Tu te prends pour un expert? Tu te prends pour un expert? عبارة أخرى بمعنى آخر وباستعمال الverb prendre ne le prend pas mal. Ne le prend pas mal. Ne le prend pas mal. بمعنى لا تسيء الفهم. Ne le prend pas mal. Ne le prend pas mal. عبارة أخرى أيضا باستعمال الverb prendre وهي ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête. بمعنى لا تشغل بالك. Ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête avec ça, par exemple. لا تشغل بالك بهذا. Ne te prends pas la tête. أيضا إذا كنا نتكلم مع مجموعة من الأشخاص Ne vous prenez pas la tête لا تشغلوا بالكم Ne vous prenez pas la tête Ne vous prenez pas la tête Ne vous prenez pas la tête وأخيرا لدينا عبارة أخرى مختلفة كذلك باستعمال الverb prendre وهي savoir s'y prendre savoir s'y prendre بمعنى يحسن التصرف اذا نصرفها ونقول par exemple je sais m'y prendre ou il sait s'y prendre ou tu sais t'y prendre exemple il sait s'y prendre avec les enfants بمعنى يحسن التصرف مع الاطفال يعني بمعنى له خبرة له معرفة il sait s'y prendre il sait s'y prendre avec les enfants il sait s'y prendre avec les enfants إذا أردت أن أتكلم عن نفسي سأقول je sais m'y prendre avec les enfants je sais m'y prendre avec les enfants savoir s'y prendre